Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être sur Martinique Première. Voici Archivage, voyage dans le temps, images de grands moments et découvertes. Dans cette émission, la carrière du clavier de Cassave, Jean-Claude Nemrod dans Archivage. Intéressons-nous aussi au parcours parallèle d'un journaliste que vous connaissez bien, avec un aperçu des plus belles chansons de Serge Billet, auteur-compositeur. Mais puisque la télé, c'est avant tout de l'image, intéressons-nous dans un premier temps à un réalisateur de clips vidéo. Homme de l'ombre, et pourtant vous connaissez son travail, dans Archivage, quelques réalisations de Steven Huchel. Plus connu sous le pseudo de Audi, encore tout jeune, Audi va créer sa propre maison de production audiovisuelle à la Martinique, Ovision. Cela ne sera pas facile, mais en 1994, il voit l'arrivée de ses premières commandes. Il va signer des clips pour Jean-Marie Ragal, Didi Jackson et Jocelyne Béroir, le clip du film Begin. Le clip Contradiction est l'une de ses réalisations, Max Telef et Stray Kaidi. Aïtikila, des hauts et des bas, clip réalisé par Audi, comme tous ceux que vous venez de voir. Au sein de Ovision, sa société de production audiovisuelle, il va travailler avec Chris Burton. Rappelons que Chris Burton va recevoir le prix SACEM du meilleur clip pour l'année 2010, donc souvent secondé par une fine équipe et extrêmement motivé, il va très vite s'imposer auprès des plus grandes productions musicales et audiovisuelles de la Martinique. Il exporte maintenant son travail et son savoir-faire au-delà de nos frontières, en Guyane, en France, en Amérique et même en Afrique. Voici son travail. Tout ça me laissait pas être si la paille, pas sans me nourrir comme un faux me nourrit, maman. Tout ça me laissait pas sans qu'à travailler, pas à envier personne.
me laissez pas être si la paille. Pas somme nourrit comme un fond me nourrit si maman. Tout ça me laissez pas sans qu'à travailler. À 4 ans, vieille personne, c'est pas bon bagaille. Tout ça me laissez pas être si la paille. Pas somme nourrit comme un fond me nourrit si maman. Ne quitte pas celle que t'aimes pour celle qui te plaît. Car celle qui te plaît te quittera pour celui qu'elle aime. Pourquoi quitter ta femme qui était celle que t'aimes? Laisse la marine avant que tu l'aimes. Quitte pas celle que t'aimes pour celle qui te plaît. Car celle qui te plaît te quittera pour celui qu'elle aime. Pourquoi quitter ta femme qui était celle que t'aimes? Lève ta main c'est ta femme tu. Ne quitte pas celle que t'aimes pour celle qui te plaît. Yes, c'est bien. Ne quitte pas celle que t'aimes pour celle qui te plaît. Prêt à ton production. Ne quitte pas celle que t'aimes pour celle qui te plaît. Archivage des réalisations innovantes et colorées. Elles sont signées Audi, le réalisateur de gros projets, la production d'un long métrage de fiction martiniquais avec scénario, acteurs et décors. Nous lui souhaitons bonne chance. Maintenant, il est chanteur, il est pianiste, compositeur et arrangeur. Jean-Claude Nemraud est un artiste complet. Parcours atypique, après avoir débuté au pays, en 72, il s'envole sur Paris. Sur place, il va accompagner Eddie Constantine, Nancy Holloway, travaille avec le bassiste du groupe Martin Circus. Il accompagne Eddie Mitchell, Michel Fugain, Stone et Chardin. Ensuite, c'est Los Angeles où il rencontre l'arrangeur de Barry White. En 79, il accompagne Philippe Laville, Céline Dion. Il est le pianiste de Manu Dibango et Myriam Makeba. Vous connaissez la suite, il intègre le groupe Kassav. Jacob a essayé de savoir où j'étais pour... il était en préparation du disque de Georges Decimus. Et tout de suite après, il y avait la première tournée de Kassav à La Réunion. Je ne sais pas trop pour quelle raison, parce qu'à l'époque, je travaillais avec Manu Dibango et Myriam Makeba, ça faisait un peu trop d'aller encore rejoindre un troisième groupe. Mais bon, comme je devais avoir un trou, j'étais à La Réunion, le fil en aiguille, j'ai laissé Makeba, je suis entré dans le groupe. Et puis j'y suis resté alors que, qu'habituellement j'avais horreur de tout ce qui est groupe. Et longtemps est parti. Et j'allais pour m'enfuir. Moi j'avais tout pays. Mais j'aime toujours laissé. Moi qui t'ai tout petit. Ouais, pas savent qui j'en rouillé. C'est le bagaille moins envie. C'est lui tout ne chercher. Pour m'aider avec moi. Je dis où il est, demain, ça dit qu'il est tout.
Aveu Doudou, extrait du premier album solo de Jean-Claude Nemraud. Il partira travailler pendant une année aux côtés de Peter Gabriel. Sa réputation a fait le tour du monde. Nemraud, fin musicien, il sera précurseur dans les arrangements raffinés, va dépoussiérer la mazurka en composant notamment pour Ralph Tamar et Edith Lefel. On le verra chanter aux côtés de Gilles Floreau. Souffle à contre-temps, fais-moi troubler souvent. Qu'on t'y plaît innocent, qui t'est jalasse prend vent. L'amour en pacifique, rempli mon main magique. Un petit caresse passif pour un bisou mystique. Qu'est-ce que tout content? Et songer longtemps. Bien comment c'est vieilli. Sous-titrage Société Radio-Canada.
maillé. Réponds-moi, oh, réponds-moi. Papa, sous côté Michel, en nous allez, ma zoubidje. Y'en fais-toi pas d'où on est. Michel, en nous allez, pas faire. Y'en fais-toi pas sous côté Michel. Jean-Claude Nemo sur la scène du Stade de France pour les 30 ans de Cassave et le groupe n'en a pas terminé. Né en Côte d'Ivoire, des études en France, à Lille, Serge Billet passe son diplôme de journaliste, il intègre France 3 puis RFO. Vous le connaissez bien, outre le journal télévisé de Martinique Première, il produit et réalise des documentaires sur le monde noir. Écrivain, il a publié des best-sellers, Noir dans les camps nazis, et des essais à succès. Mais Serge est aussi passionné de musique. Il est l'auteur de la comédie musicale Soweto, la vie et le combat de Nelson Mandela. En 2010, il propose un spectacle autour de l'éruption de la montagne Pelée titré 1902. Serge a également écrit pour de nombreux artistes. Je suis très content que Tania Saint-Val soit dans la distribution de Soweto et avec elle, naturellement, tous ces artistes comme Ralph, comme Jean-Luc Goanel, comme Karl, comme Mimi, en tout cas tous ceux qui sont là et qui participent à cette belle aventure, parce que c'est vraiment une aventure et cette aventure se fait avec le public qui a adhéré tout de suite. Et je suis content de ça parce que nous montrons et que nous faisons des choses ici pour nous-mêmes, même si après on les montre à l'extérieur, et qu'on essaie de les faire dans une espèce de grande qualité. Et vraiment, je suis content qu'on ait pu traduire toute cette souffrance de l'apartheid qui rappelle aussi la souffrance de l'esclavage et qui rappelle aussi les défis qui nous sont imposés, c'est-à-dire comment après tout ça, il faut vivre ensemble. Ils voudront se sentir bons.
La chanson Nouveau Monde, distinguée par la SACEM et enregistrée au profit de l'UNICEF. Si pour Serge Billet, le journaliste doit servir de courroie de transmission entre ceux qui détiennent des informations et le public, il dit se battre pour des idées et un idéal. Peut-être pour que tout soit différent demain. La chanson est signée Serge Billet et Harry Diboula. Si chacun ouvre ses bras, c'est le jour qui prend le pas sur la nuit. C'est la vie. Donner juste un peu de soi, ne serait-ce qu'une fois aujourd'hui. Ils accueillent changer. Ouais. Si tout en l'en est, qu'à tout navirer, à rien pas bouger. Alors, pas jouer zouel serré, mais savent qui vous paye, ou même si vous voulez, fais la tête en je t'aime comme j'aimerais jamais, fidèle au serment que j'ai fait à ton cœur, et même si tu m'aimes jamais, le ciel sera lui me combler à son heure. C'est notre amour. On met toutes nos forces pour le faire avancer en franchissant des cols escarpés. Et puis on fait la noce, croyant être arrivé, quand soudain dégringole le rocher. On se croise et on s'aime en levant quelques mots d'amour. Sisyphe, chanson interprétée par Léa Galva, signée Serge Billet. Elle figure sur un album, une compilation dont vous avez vu certaines des chansons dans cette émission, compilation titrée « Les plus belles chansons d'amour de Serge Billet ». Fin de archivage, merci à toute l'équipe de Nadia Jean-Baptiste, merci à vous et à très bientôt sur Martinique Première.